Dans cette série de vidéos, nous voyageons à travers quatre villes de la Croatie, Dubrovnik, Split, Zadar et Pula. Aujourd'hui, nous voyons Zadar et Pula. Zadar est la cinquième plus grande ville de Croatie. Elle fut la capitale de la Dalmatie jusqu'en 1918. La principale attraction touristique de Zadar est sa vieille ville, avec ses fortifications vénitiennes, construites pour faire face à la menace ottomane. Elle est nichée sur une presqu'île reliée à la ville moderne par un pont. Le Forum romain était la place principale à l'époque des Romains, lieu de rencontres et de marchés. Nous pouvons aussi remarquer la porte Terferne, porte défensive construite en 1543, surmontée d'un lion, symbole de Venise. L'église San Donà est un édifice de style roman et byzantin construit au IXe siècle. Elle est composée de trois absides. C'est la partie en demi-cercle. La cathédrale Sainte-Anastasie est une église romane du XIIe siècle. Elle présente une façade à trois portails et abrite le sarcophage de Sainte-Anastasie. L'église Saint-Siméon est un édifice baroque bâti sur une basilique du Ve siècle. Elle abrite le sarcophage de Saint-Siméon soutenu par deux anges baroques. L'église Saint-Chrysogne est une basilique romane construite en 1175. Pula fut dominée par les Byzantins, puis au XIVe siècle par la République de Venise. Elle fut fortifiée par le Français Antoine de Ville, puis elle devient au XIXe siècle la principale base navale de l'Autriche-Hongrie. La porte dorée mesure 8 mètres de haut. Elle fut construite au 1er siècle avant Jésus-Christ. L'amphithéâtre fut construit au 1er siècle sous le règne d'Auguste, puis agrandi par Vespasien en 79. Elle mesure 133 mètres de longueur, 105 mètres de largeur et 35 mètres de hauteur. Elle pouvait accueillir plus de 2000 personnes, c'est donc l'un des plus grands amphithéâtres romains. Il servait principalement aux combats de gladiateurs. Enfin, le temple d'Auguste fut construit au 1er siècle et y dédié à l'empereur Auguste. Thank you.